Au Maroc, il est possible de retracer l'histoire du pays en observant l'architecture de ses bâtiments. Au fil des années, plusieurs civilisations se sont suivies, comme en témoigne aujourd'hui l'héritage architectural du pays, notamment dans la ville historique de Rabat. Le Maroc, grâce à sa position stratégique, a connu plusieurs civilisations qui sont passées au Maroc, comme la civilisation romaine, les musulmans, la civilisation arabo-islamique, l'hispano-mauresque. Toutes ces civilisations ont laissé des traces, des bâtiments et des constructions très intéressantes au Maroc. Il y a des formes architecturales qui se basent sur la géométrie, il y a des formes qui se basent sur la faune et la flore. Et ces formes-là, justement, qui ont donné une originalité de l'architecture marocaine par rapport aux autres architectures. Rabat est vraiment un lieu où l'ancien rencontre le nouveau et où les conceptions architecturales orientales et occidentales se rejoignent. Les architectes intègrent des méthodes traditionnelles dans des conceptions modernes afin de créer des structures respectueuses de l'environnement. Ces bâtiments, ces médinas, bien sûr, ont connu plusieurs problèmes à cause de l'humidité, des facteurs naturels, mais des facteurs humains, l'exploration. Et donc, malheureusement, ils souffrent de plusieurs pathologies. Ces pathologies doivent être restaurées, rénovées. Il y a beaucoup d'exemples de sites qui sont actuellement en rénovation, comme le site de Chella, le site d'Oudaya, la médina de Rabat, la médina de Salé. L'architecture traditionnelle marocaine continue de prospérer dans tout le pays grâce aux efforts déployés pour conserver les techniques de construction et la conception traditionnelle. On peut éventuellement s'inspirer de l'architecture traditionnelle marocaine ou du savoir-faire traditionnel marocain pour gagner davantage en efficacité énergétique. Nous citons à titre d'exemple la largeur des murs, l'utilisation de la terre compactée, la hauteur sous plafond importante, les toitures en bois, etc. Alors que le Maroc continue de se développer et de croître, son évolution architecturale est un voyage de tradition, d'innovation et de durabilité.